la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Lily Rose, Lily Rose, t'es où? Oh, punaise, ça, salut à tous tes amis. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là Lily Rose, avec Lily Rose on était en train de se promener il y a 2 minutes. Et là je la vois plus. Franchement je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas où elle est passée. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Là on est dans un parc où on est quasiment les seuls. Bon vous le connaissez ce parc. Franchement, c'est quoi ça? Attends, je viens de marcher sur un truc là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un téléphone. Encore un téléphone rouge. Punaise, c'est rare ces trucs. Oh, attends, il y a déjà un numéro dessus. 666. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, pourquoi il y a le numéro 666? Lily Rose, reviens. Punaise. Bon allez, donc salut à tous ces amis. Là franchement cette vidéo elle part trop en cacahuète. Là j'ai perdu Lily Rose dans le parc. Alors vous inquiétez pas, à mon avis elle s'est enfuie pour me faire une blague. Mais là, ce qui est inquiétant c'est que j'arrive dans le parc. Et là, je vois ça. Je trouve un téléphone, un nouveau téléphone, parce que celui qu'on avait déjà trouvé dans un parc pas loin d'ici, il est à la maison. On le prend pas quand on se déplace, tout ça. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, on a trouvé un téléphone hanté une fois dans un parc. Et depuis, il nous arrive que des trucs bizarres. Notre maison est hantée, tout ça. Et là, 666. Bon allez, donc les amis, franchement j'ai pas de temps à perdre. J'essaierai d'appeler ce numéro tout à l'heure. Et j'espère qu'il va rien se passer. Quoique, non, je veux pas l'appeler. Bon allez, Lily Rose. Là c'est pas drôle là. Attends, c'est toi là, Lily Rose? C'est toi? Non. Eh oh, Lily Rose, reviens ici. Mais Lily Rose, pourquoi t'es partie comme ça? Bah j'avais pas envie de rester dans ce parc là. Il s'est passé plein de choses là-bas. Bon là les amis, regardez, on est revenu à côté de l'église. Oui. Bon vous la connaissez, c'est là qu'on se donne rendez-vous quand on s'est perdu, tout ça. Ouais. Donc là franchement, je pense qu'on va devoir appeler le numéro. Parce que là j'ai, bon Lily Rose, pendant que t'étais pas là, j'ai trouvé le téléphone. Ah, j'ai trouvé un téléphone et sur ce téléphone il y avait un numéro, c'est 666. Un numéro encore? Alors surtout n'appelez pas ce numéro, de toute façon je pense que si vous l'appelez, il y a personne qui va répondre parce que c'est un numéro qui n'existe pas. Mais là je vais l'appeler avec ce téléphone spécial. Ouais. Allez c'est parti. Non mais j'ai peur de ce qui peut se passer ensuite. T'inquiète pas, il peut rien se passer. Bon Lily Rose, reste bien là-bas, je vais appeler le numéro. Regardez, je le compose bien. Allez c'est parti. Punaise. Allô? Bonjour. Punaise. Allô? Allô, mais qu'est-ce que ça raconte? Valouk. Attends, quoi? Valouk. Valouk, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un truc auquel on a déjà eu affaire. Votre quoi, mission. Quoi? Une mission? Mais qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous dites? J'entends rien. Punaise, bon, je raccroche. Hey, Lily Rose, vite, on part d'ici. Il y a un truc bizarre qui se passe. Bon, Lily Rose, là, on doit y aller. Parce que je sais pas si t'as entendu, mais dans l'appel, il me dit... Enfin, ils nous ont dit, là, je sais pas si c'est un homme, une femme, une voix modifiée. Vite, on y va, alors. Ça ressemble... On avait déjà fait une vidéo sur un numéro maudit, oui, comme ça. Bon. Et là, franchement, ça rappelle à fond ça. J'ai l'impression que c'est un numéro maudit. Ouais, mais c'est des bêtises, mais le problème c'est que la dernière fois qu'on a appelé un numéro maudit, on a eu affaire à un monstre vraiment trop étrange. Mais bon, Lily Rose elle s'en fiche, elle a jamais peur. Il y a que moi qui m'inquiète, mais bon, c'est pas grave. Regardez, allez, c'est parti, on y va vite, on court. Bon, bah, les amis, on essaie de rentrer, on essaie de rentrer dans l'appartement, sauf qu'on a un problème, c'est qu'en fait, on a vu quelqu'un passer à travers la vitre comme ça. C'était trop bizarre, c'est quelqu'un drôle. C'est quelqu'un qu'on connaît pas du tout avec une cape, donc là j'ai la clé. Bon d'ailleurs je l'avais perdue et là je l'ai retrouvée en fait, elle était cachée là. Franchement je sais pas comment elle est revenue là. J'espère que c'est pas quelqu'un qui nous l'avait pris et qui en a profité pour rentrer. Ouais. Bon allez, c'est parti, vas-y, je vais essayer d'ouvrir. J'espère qu'il s'est rien passé dans l'appartement. Bon bah allez, on se parle. Allez vas-y, désolé ça résonne, vite dépêche-toi. Punaise, c'est trop bizarre. J'espère qu'il n'y a pas de porte ouverte ou des trucs comme ça. Allez vite dépêche-toi. Oh là là, en plus il n'y a plus de lumière ici, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vite, on y va. Oh, regardez. Allez, Lily Rose, viens, monte, faut pas avoir peur. Attends, la porte est déjà ouverte. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mama Pink, t'es là? Non, mais pourquoi la porte est déjà ouverte comme ça? Oula. C'est bizarre, ça aussi, c'était ouvert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vite, vas-y, rentre. Ouais. On n'a pas de temps à perdre. Punaise. Non, mais j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré pendant notre absence. Attends, vas-y, va voir la cuisine. Non, y a rien. C'est bizarre, la table a été mise. Ouais. Oh punaise, non, ça cache quelque chose. Vite, viens, on va dans ta chambre. Non. On va regarder dans tout l'appartement pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de caché. Eh oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Franchement, c'est trop bizarre. Bon, là, les amis, franchement, on rentre dans l'appartement, y a personne et la porte. La poupée, elle est là. La porte était ouverte. Non. Si. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je sais pas. C'est pas possible. Oh
punaise, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui suivent pas la chaîne, c'est une poupée hantée qui hante notre maison depuis pas mal de temps maintenant. Ouais. Punaise, il y a de la buée sur l'appareil photo en même temps là, franchement. C'est une vidéo qui est faite comme ça pour vous montrer ce qui se passe rapidement. Donc franchement, c'est trop étrange. Bon, là les amis, on va continuer de fouiller l'appartement. Mais je pense qu'il y a personne. On se retrouve tout de suite. Bon là voilà les amis, on s'est posé pendant 5 minutes. On a enlevé nos manteaux, tout ça. Et depuis tout à l'heure, franchement, il se passe des trucs trop étranges. Il y a des appareils qui se lancent tout seuls dans la maison. Franchement. Non mais c'est pas possible. C'est ça. Punaise. Je sais pas si vous m'avez vu dans le miroir, mais j'ai rien lancé du tout. J'ai appuyé sur rien. Et dès qu'on est dans une pièce comme ça, ça lance des appareils un peu au hasard. Tout à l'heure, il y a le micro-ondes qui s'est lancé tout seul. Et je pense qu'il y a un problème sur l'appareil photo. Je sais pas, il y a comme un truc blanc qui vient. C'était quoi ça? Attends, c'est le verrou de la porte qui s'est ouvert tout seul. Lily Rose, c'est toi? Lily Rose. Lily Rose, c'est la poupée qui a fait ça? Punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, moi je sais plus quoi faire. Je sais plus où donner de la tête, franchement. Il y a des trucs qui bougent tout seuls. Regardez, là-bas, il y a des bébés trop bizarres. Franchement, hier, on a eu des problèmes avec ces bébés qui se sont mis à parler aussi. Franchement, c'est catastrophique. Punaise, c'était quoi ça? C'est tombé... Lily Rose, t'es dans ton lit? Eh oh! Mais il était sur la prise tout à l'heure, ce téléphone. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette image? Waouh! C'est quoi ça? C'est peut-être une image de Valouk. C'est trop étrange. Oh, Lily Rose, t'es là. Lily Rose, ça va? J'ai été voir s'il y avait des gens. Il y a quelqu'un qui appelle. Vas-y, vas-y, il y a quelqu'un qui appelle. C'est qui? Je sais pas, c'était un numéro bizarre. C'était, est-ce que c'était 666? Encore? Ah, bah bon voilà, Lily Rose, tout à l'heure elle a pris froid. Oui. Donc voilà, en même temps on est resté un peu dehors, tout ça pour sortir. Et là franchement il s'est passé des trucs trop étranges. Voilà. Ouais. Donc là les amis, on se retrouve s'il y a des nouveaux phénomènes un peu étranges. Désolé pour la luminosité, pour tout, parce que la vidéo là franchement... Attends, chut. Vous avez... T'as entendu dans le couloir? Ouais. Y a quelqu'un? Attends. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Non mais on a entendu là, je sais pas si... Y a quelqu'un? C'est moi. Maman, ah c'est toi, bah, mais t'es rentrée, bah, mais t'es rentrée comment? Par la porte. Viens Lily Rose, viens, 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 viens dans la salle de bain. Faut expliquer quelque chose là. Attends, elle était pas là quand on est rentré? Bah non. Mais comment elle peut être là? J'étais voir dans toutes les pièces. Comment elle peut être là? Je attends, c'est peut-être pas notre mère. C'est peut-être une fausse mère. Attends vite, attends je ferme la salle de bain. Ah, punaise, en fait... Ce qui est possible, c'est que c'est quelqu'un qui s'est déguisé comme notre mère à l'identique pour faire croire que c'est elle et pour pouvoir nous piéger. Ouais, c'est à mon avis, c'est Valouk. C'est peut-être ça le super pouvoir de Valouk. C'est de se déguiser comme les gens qu'on connaît pour nous piéger. Mais c'est bon, on n'a pas peur. Moi, j'ai pas peur. J'ai non, mais Lily Rose, c'est notre vraie mère, c'est sûr. Non, mais c'est pas elle, je pense. Si. Oh, punaise, c'est encore ce truc-là. C'est pas possible. Bon, là, les amis, franchement, je vais partir de la pièce. Je sais pas quoi faire. Allez, c'est parti.